Bonsoir tout le monde, nom c'est Ralph Condé, bienvenue encore dans l'autre édition de Ralph Condé Show. Je vous dis à son plaisir, on m'a pas accueilli l'autre légende de la musique haïtienne. C'est pas un seulement et son artiste, on a dit que dans tout terme honnête, parce que non seulement monsieur son chanteur, mais en même temps tout son artiste peint. Ça veut dire que monsieur Zézalon, il est un artiste dans l'âme, voilà. Donc, vous voulez parler de Essoud Founkap, que nous pouvons connaître bien, grand monsieur Saki avec nous. Nous pouvons grand pile bagaille que nous pouvons parler, ou même qui te content de Founkap, qui te content de voir ça, peut-être qu'on pas connaît ouais, qui est-ce qui voit ça. Eh bien, je dis, il y a une chance, ouais, et Essoud Founkap, dans le Ralph Condé. Essoud, mon cher, son plaisir que vous avez passé dans le Ralph Condé Show, mon cher, son honneur, moi, mon poumou, on en soit. Bonne nouvelle, comment est-ce? Mon cher, nous là, et m'a profité pour m'envoyer un gros chapeau par le public là, que m'a toujours remercié parce que si c'est pas lui-même, pas d'accord que m'y est, ça m'a bien là. C'est à cause de tolérance, vous comprenez? Et que moi là, vous comprenez? C'était bon. Et là, en général, c'est toujours un métier difficile. Vous comprenez? Et bon, et puis avec vous même que personnellement que nous avons plus d'admiration pour vous. Merci. Et quoi que nous ayons écart et d'âge, et mon cher, ça pas empêcher que vous même l'ont éclaté sous scène, et puis dit waouh, quand ça a sorti. Et puis mon cher, vous admirez automatiquement, dit waouh, regarde ton talent. C'est et ça. Que ma, et bon, toujours attendre un talent, ça te paraît. Vous comprenez? Ouais. Toujours fouiller. Et puis mon cher Lor paraît dit bon c'est ça net moi le chita sous t-shirt bas moi pour m'a suivre l'évolution c'est ça et jusqu'à présent mon cher ou pas de se voir merci, bon, merci pour l'invitation de toute manière pas de problème Founka le map dit tout bagaille et sous Founka li semblé ou non chinois d'Haïti. Est-ce que ou gen asiatique l'enfant ou est-ce ou gen chinois l'enfant ou bien ou c'est bon haïtien natif natal là ici? Mon cher, moi son 50%. OK. Et papa me rivé en Haïti en 1928 et vinn joindre et papa avec frère avec mon oncle en Haïti. Et je pense que c'était suite de l'occupation américaine qui t'a attiré étrangers asiatiques et le monde arabe tout qui dans le commerce au fond monde ça c'est nomade donc plutôt des américains ont côté gain comme donc qui fait yo gain sécurité tant puis yo plonger bon même moi Owen donc son produit et Owen de un chinois avec un haïtien OK vous comprenez. Ok, mais moi. Ok, qui est-ce qui est chinois en maman? Papam. Oh, papa. Mon père chinois. Est arrivé en Haïti en 1928. Oh, okay. Et puis il évoluait, il fait commerce, etc. Bah, il s'est rencontré maman, moi. Et puis, okay. Et puis bon, bah, il a continué. Il a continué. Bon, ben, et par la suite, et monsieur, bon, pour dire près de 6 timons, bon, ben. Ok, ok. Et que, bon, nous tout évolué, li baye génération après, hein? Et puis vinn baye peut-être 4 générations après, vous comprenez? Okay. Et arrivé papa en Haïti, et bon, et voilà, nous là, vous comprenez? Bon, bien malheureux que nous pas gain temps fait ça relé en Chinatown, et c'était un son bagaille qui toujours qui bien ma cœur parce que et j'ai toujours rêvé retourner en Haïti pour me faire un Chinatown parce que chaque coup parti. Pas que Haïti t'ait prêté réellement attention à arriver mon ça yo. Et parce que 50% là-dedans et à Saint-Domingue parce que Haïti t'ait toujours gain petit problème bagaille ça yo. Ouais. Et yo pas réellement financé et arriver mon ça yo. Au contraire, moi dit si yo pas haïtien dans manifestation et patriotisme né, vous comprendre, même on y a venir là, étranger a venir prendre pays à dans nous bagaille ça yo. Mon cher, et contrairement et président Touré lui-même et Saint-Domingue lui-même t'a ouvri bal ba étranger, lui dit étranger fini. En puis là d'en aller et puis fait Chinatown pour lui ba hôtel, lui ba l'argent et même à Cuba même, c'est pas parler, laisse à Cuba en flèche. Ouais, et puis ouais. Bon en puis aller parce que papa me chaque coup là la loi est fini et même à Cuba,
et au mon oncle Jutou, il dit moi ça que bon côté que les cahiers sangha. C'est jusqu'à présent existé, l'or paraît, li sous quatre destinations touristiques et la Havane pour aller. Alors que Haïti même quitté toutes les colonies disparaître. Ouais. Pas qu'on trace, pas qu'on écrété. Donc son bagage est toujours vrai. Bon. Ouais. Et bien heureusement pour Cyrano et Arabio, et que eux-mêmes existaient toujours. Vous comprenez ça en tout. Mais ce n'est pas un bagage que Haïti a pris avantage de lui-même. Ouais. Donc Haïti a gagné un Chinatown, tant qu'on est New York et avec San Francisco. Vous comprenez ça en tout. C'est ça. Mais le résultat, vous et mon cher, c'est vrai. Bon, et c'est sûr que son pays, quand même, qui quitte en paix chance aller parce que depuis tout petit me toujours attendre tel compagnie te veut investir dans pays à tel bagaille gros chaîne factory te veut entrer toujours bon anyway c'est pas politique n'a fait mais c'est des facts que n'a parlé pendant me poser en fond cap question mais quand même nous son pays comment est vraiment nous victimes de c'est des opportunités, voilà le mot, que nous t'es qu'à joindre, que nous pas vraiment d'agdou appliquer, quoi. En effet, oui. C'est ça. Alors, avant de se faire un cap, nous connaissons aussi musiciens, mais en même temps, tous sont gros artistes peintou. Qui est-ce là de métier, ça, ou t'es plus passionné? Mon cher, et je toujours répéter que mon premier amour fut l'art pictural. Et parce que l'homme commençait, j'avais l'âge de 5 ans, et puis papa m'a gagné une blanchisserie et sous côté et pharmacie séjournée. Entre et pharmacie séjournée et un centre d'art, mais c'est le centre d'art est venu séparé. Et puis gagne une équipe qu'elle formait et foyer des arts plastiques. Okay. Et sous côté Haïti Journal là papa m'a gagné un cahier dans mitan de institut by business ça. Et puis mon cher j'avais l'âge de 5 ans moi dans kindergarten bagay puis mais son mari toujours intéressé chaque fois m'a passé puis moi monsieur bon a fait dessin a fait peinture. Et puis mon cher on était gagne croisière qui était venir en Haïti régulièrement. Et puis quoi 4-5 bateaux à débarquer touristes et puis qu'on allait me regarder puis moi tout j'ai pas train dedans à acheter tableau et puis me réaliser me dit mais bagaille ça rien comme la donne vous comprenez et puis mon cher Timon de toujours font petit paraître de tolérer moi et puis monsieur prend même moi et puis dit bon mais chita là et puis met ton petit chevalet devant moi yo bon crayon yo bon papier yo bon et aquarelle et puis m'a dégager moi mon cher. Si m'a dit au monde que tout artiste qui était connu en Haïti, tant que les groupes, les Cédor, les Némi Jean, tout monsieur connu, je passe maintenant, tout monsieur c'était mentor, moi, je passe maintenant, mais tout. Ok. Vous comprenez? Et puis, je n'ai pas appris. Je viens de mes métiers. Mon cher, je suis jeune dans l'école et qui était toujours à progresser. On est plus rapide même que l'autre parce que moi petit jour gain mentor moi sous côté la caille là. Mon frère là qui vient intéressé à la peinture et aussi et puis monsieur t'est venu bon lui-même presque professionnel. Mais par la suite papa m'a toujours dit regarde métier ça va rien comme là dedans. Il dit puis toi à l'école ou après nos métiers. Et puis bon il vient décourager moi bon même toujours qu'un là. Mais j'ai toujours l'impression que c'est l'art pictural là qui vient peut-être premier amour. Mais pendant que là, j'ai toujours mon petit oreille pour la musique. J'ai toujours. Mon cher, j'ai toujours aimé bon bagaille. Le premier son qu'on a entré dans les oreilles, dans la période ça, et c'était peut-être entre l'orchestre et au Calbas, avant que le devine mon Jean-Baptiste. Et puis tu gagne orchestre Citadel, tu gagne Jack des jeunes, mais et avant même tu gagne Israël Saé, tu gagne orchestre du Casino International, mais son Saé c'est eux même qui enregistré dans tête moi. Et puis dit mais il aimerait mes musique tout et puis toujours imiter monsieur Saé. OK. M'a imiter période ça. Et puis
les Pierre Blin, etc., Guy Rosier, etc., Joe Trouillot. Et puis il me dit, mais oh, mon cher me fait deux, trois petits gagans, et puis moi, j'ai un trémolo dans la voix. Et puis il me dit, oh. Et puis, il y a des gens qui ont fait un petit compliment. Et puis il me dit, ben, ça, ça son deuxième talent que je gagne. Mais là, ça un instrument pour quoi? À la mode, n'importe quel monde qui a une guitare. Et bien, si tu as une guitare, on va permettre de parler de guitare à la caillou et de mettre dehors. Vous comprenez? Ouais, ouais, ouais. Et puis, mon cher, bon, peinture la quimbe, moi, jusqu'à peut-être l'âge de teenager. Et puis, moi, que m'a fait un cob là-dedans, m'a fait un cadre de Christmas. Et puis, pour Noël, et puis, m'a marché toute grande rue. Là, ça n'est pas grand bruit ça, non? Ça, on va être calme, très posé, vous comprenez les années ça, yo. Et puis, m'a proposé et tous les magasins et toutes les familles, ça ne déconne, les Dioko, les Vitiello, les Martino, et Bichara Ismeri, tout monsieur arabe ça, yo, avec les Italiens ça, yo. Qui c'est eux-mêmes qui disent qu'un bien comme ça, et puis m'a proposé pour me faire et cadre de Noël pour eux. Ah, viens commencer connu. Et puis moi m'a fait cob, c'est comme ça m'rité là-dedans. Venir rester encore. Donc dit ah, m'ka fait cob là-dedans. Ben, on connaît nèg toujours à l'école, on comprend parce que pas négocier parti ça. C'est sûr. Et puis mais l'homme rivé teenager me dit oh, mais mine moi mes musique tout. Et puis m'a sauvé là ouais les vendredis rivé, les vendredis après-midi, m'a sauvé pour mal tendre Nadou de petit jazz dans courant et latino et premier musicien que t'es connu avec bon comment c'est gain les Gilles Bretteuses les Cisas de Pétionville etc les Coventon m'a sauvé et les petit monsieur Eugenio les Larac m'a sauvé mal la caille papa pas contre bagage du tout et puis qu'on est à oreille moi à ramasser son on prend mais pas d'instrument. Et c'est instrument pour peut-être cheminer à désir ça. Et puis il me dit, bon, je suis en train de faire un petit gagan avec monsieur, un petit gagan. Même si tu es très jeune, et tu es un Jacques Duroz comme pianiste, il me dit, monsieur, qu'est-ce que tu as monté, monsieur, piano, même pas de piano. Donc, je ne vais pas pratiquer. Donc, mon cher, donc je crois que tu es égal. Égal. Je ne vais pas dire qui est-ce qui ça qui influence. Ouais, c'est ça. Donc, on va venir sur ça, et on va tirer la partie. Et en partie musique là, nous allons parler de carrière peinture jusqu'à présent, toujours à peine, un peu plus tard. Mais faut-il parler non de expérience avec les ambassadeurs et comment on va entrer dans les ambassadeurs? Mon cher, et à partir de ça, je le raconte là. Moi, j'ai vu aux amis qui étaient qu'on a joué guitare, monsieur. Mais plutôt dans le genre de troubadour, de bail comme ça. Parce que dans la période, ça, les Haïtiens étaient très influencés par le trio Los Manchos. Vous comprenez? Et le trio Matamoros qui a joué, ça y est, les Guayla. Vous comprenez? Okay. Et puis, on a passé comme ça, et puis, et par exemple, n'importe quel baptême qui a fait, puis, ça y est, invité, et puis, il a joué. On a passé n'importe quel quartier. Et puis, on a attendu, tu as un petit groupe qui est Anelus Cadet. Vous comprenez? C'est lui même quoi qui vient créer dans toute équipe dans le coupé cloué au grand monsieur Sayo. Okay. Puis avec les petits Paris tout. On a passé comme ça. On dit dimanche après-midi autant non on trouve à nous et comprendre et puis vous allez ting 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 et puis tambour derrière pipi pas quoi gain compa direct du tout. On voit. Non. Et puis il me dit waouh puis je vais sur toujours attirer. Et puis me camper derrière nèg yo. Et puis, tu peux t'aller coûte moins sur moi, oui. Vous comprenez? Et puis, ma fonti gagne, ma fonti gagne. Et puis, mon cher me dit, oh, mon cher. Et puis, c'est comme ça que mon petit groupe qui vient faire. Et puis, nèg vient inviter, me fait deux, trois coups là-dedans. Et puis, nèg dit, bon, on commence à apprendre à jouer guitare. Et puis, il y a Georges aussi qui a joué à accordéon. Et qui était dans le groupe là tout. Mais c'était dans la zone, bon, et rue du peuple, etc., chez les rois. Vous comprenez? Et puis, par la suite, et il y a Hans Félix qui a joué ambassadeur déjà. Ok. Et puis, bon, qui je dis, ah, mon cher, mon petit chanteur là, pas mal, non? Et puis, monsieur, il vient chercher, et puis, il m'a même dans la deuxième cité, et puis, il vient essayer, mon cher, côté, mais c'est un égard embauché. Il y a tout bon. Donc, il y a tout bon job là. Tout bon. Ouais, c'est comme ça, m'entrer dans les ambassades. C'est quand on rentre. Ok.
Mais gen et comme moi remarqué qu'on y a foot cap moi ouais que à l'époque pas surtout ambassadeur les m'attend des essais des musiques parce que je fais des recherches pas tout c'est un jazz qui était joué en pile en boléro mais d'abord même pour que ça jazz qu'on y a yo yo pas tellement joué boléro encore génération ça est sorti une influence et Cuba a influencé toute région en net. Et à partir de tout grand vocalio, vous comprenez? De Bienvenido Granda, Celia Cruz, et Alberto Bertrand, là, Saint-Domingue, et ouais. Gogagan, vous comprenez? Et puis, par la suite, vous venez à Ariel Solis, vous comprenez? Mais pas parler de tout ça, c'est période avant influence et balade là. Balade là, vous comprenez? Parce que balade là, vin sans c'est de pousser Boléo, oui. Avec mon autre jeunesse, au Cobrezando, qui vient commencer à partir de peut-être dans la région et du Chili, et peut-être au Pérou, avec l'Argentine. Okay. Mais toute force là, est sortie et Cuba et Mexique, qui a produit Boléo, et toute génération ça, c'était Boléo et Tabdansé. Même l'Amérique, même les États-Unis, t'es influencé par Boléro parce que regardez moi et Nat King Cole t'es forcé à paraître avec un album Boléro ou qu'on aime. C'était une comme qui gagne et Robin qui sas par exemple. Mon cher haïtien, pas de cas, pas de c'est t'es venu gagner ou influence que le 9h du soir faut attendre Ron Gérald. Okay. Donc, le bon travail que les médias ont fait avec nous-mêmes, c'est comme Nadous, Léon Balap fait 1h du matin, quel que soit l'orchestre là, quel que soit l'orchestre là en Haïti, il faut boléro à frapper. Et ce n'est pas un grand boléro, non, il faut qu'on popouri boléro. Mettez ensemble pour faire une combinaison de français, créole, reprendre espagnol pour haïtien danser. Donc, il vient influencer toute génération ça, et puis il font traverser sur la période mini jazz là. Le mini jazz vient former, c'est influence dans le yéyé, qui était en combinaison de rock and roll et de twist. Okay. Et puis, mais twist là, c'était plus bon, influence et rock and roll, mais pas oublier que, et malgré twist, des chansonnettes françaises là dominées avec les Sylvie Vartan, vous comprenez, avec bon un peu de Johnny Hallyday bagay comme ça, et puis of course vous comprenez, avec et toute période zanette qui barou dans des chansonnettes françaises que haïtiens toujours été d'amour, faut jouer yo pour haïtien entendez mon gars, et j'ai l'impression que même jusqu'à nos jours. Alors, ça, nous pouvons arriver là, non? Mais faut m'occuper pour montrer influence ça et qui était là, quand non? Et même jusqu'à peut-être Arlie Larivière, les gens, monsieur composé, monsieur retourne avec chansonnette française là, et c'est ça qui fait succès, monsieur. Il remettait son forme de compalove. Donc c'est pour montrer que c'est pas un bagage que haïtien capable de négocier, mais malheureusement. Le mini jazz est effacé et puis nous commençons à rentrer dans ce cachet à tabou combo. Bon, l'aller, pas tourner encore. Vingon l'autre, c'est ça. Non, c'est heavy duty combat. Alors, naturellement, on gagne. Non, mais on gagne période. Tout de suite après les ambassadeurs, je suis le Kevin Patti. On y a une Gramax, on y a fourré heavy combat sur vous. Heavy combat. Avec un ligne Ron qui est très sauvage. Avec ETP Express. Et puis, commencer sur. Robert Martino, qui a tiré le guitare sur vous, tout le monde oublie Boléro. Il n'y a pas de changer, il n'y a pas de génération, son vin changer. Oui, c'est volé. Up-tempo. Up-tempo. Il n'y a pas de mal dans ça, parce que son culture, il était. Exactement. Oui. Mais, l'ambassadeur, ou t'es gain l'autre chanteur avant, ou t'es gain Pascal Albert,
comment relation ou t'es avec Pascal Haber, l'ambassadeur, comment nous t'es entendu, nous, en tant que deux chanteurs quand même? Bon, et il toujours sonné que deux chanteurs toujours créer friction. Vous comprenez? Dans n'importe quel, même dans le milieu latino à tout, il y a parlé de grand combo. Vous comprenez? Il y a parlé de Cheo Feliciano, par Cantani avec. Vous comprenez? Hector Lavo, qui est avec. Vous comprenez? Willy Colon, par qu'a accepté l'autre chanteur. Vous comprenez? Et Bouyko Rissou, même Choubou. Je vous pas tolérant bagay comme ça. Bon, est-ce que c'est vrai bon son jugement personnel lié. Bon, pas de problème avec Pascal. Et monsieur les Antfélix vient dit bon, alors c'est moi même bah, c'est il pas chercher le chanteur non. Monsieur était satisfait pour avec moi parce que n'a mené. Pas de problème, pas de critique et c'est moi-même qui dit ah et gauche a commencé à fatiguer m'a besoin un coup de main parce que et Kounia vin besoin de background vocal là que nous pas de gagner assez musique bon si moi ça chanter non seulement la chanter avec moi mais n'a gon extra et background vocal mais en Haïti c'était très difficile pour jeunes garçons et pour chanter et puis c'est pour ça et Antfélix dit bon mon camarade là que qui compte chanter joue du guitare mais avant et Pascal moi t'ai proposé et de l'autre chanteur que pas accepté vous comprenez parce que monsieur partait était moi un petit flâneur on voit monsieur était professeur était qu'à chanter oui mais cependant et ça qui vient passer monsieur était déjà nadou de mauvaises habitudes et chanter plus ou moins dans un gros orchestre pour gros orchestre jazz des jeunes yo bah ça mais nous t'as cherché une voix qui est beaucoup plus rapprochée de jeunesse là et puis c'est concernant Félix et vient proposer Pascal et puis bon nous cheminer on va mais pas de friction nous t'es à cheminer c'est ça on va et qui souvenir qui était en tête ou de les ambassadeurs mon cher c'est premier et c'est moi. C'est comme premier ménage. C'est ça. Bon, même sous vide marié, on marié 5 fois, 4 fois. Mais première relation, ou pas oublier lui, comprenez? Et c'est pas tout le bagage que j'ai jamais espéré. Et par un bâle, je voulais que m'entrer dans un bagage comme ça. Et puis, bon, il prend presque 6 mois, presque 1 an même. Pour papa me vienne découvrir m'a dit ça non que m'nan jazz et puis m'a fait lui mais m'a fait la cachette et puis c'est amour qu'ap kembe dans les ambassadeurs donc ambassadeur pas regrette et moi même toujours dit m'vienne apprendre alors par la suite là m'vienne comprendre qui la vie a et que le hasard n'existe pas il n'y a que des coïncidences heureuses dans la vie. Et there was no coincidence in life. Tout est karmique. Pas cadeau tout, d'où je dis ça. Non, tout est karmique. Et tout est karmique et tout est cyclique. Et tout est vibratoire. Et sous mon comprendre que tout bagaille fait comme ça c'est pas vrai. La vie a 100% blueprint lié, son plan que et architecte là bas ou même se contremettre mais mes plans bas pour construire ça là. Donc ou qu'elle a fait 6 modifications. Mais je pensais que comment me faire atterrir là, je me pose des questions tout le temps. Même dit comme ça que mais si me dans le fond d'autres bagailles. Ça c'est un autre parallèle que nous relier parallèle univers, univers qui est parallèle parce que la vie a fait de c'est comme d'ados c'est une toile d'araignée et puis petit point en mi-temps c'est l'araignée commence et puis il fait tout milliers de petits filiaux et ben la vie a c'est comme ça lié. Ou un petit point c'est ou même. Et puis, quand il y a un paquet de bonnes fils qui doivent cheminer, par contre, vous visitez Paris, tu as visité Paris, tout le temps. Tout le temps. Vous visitez l'Arc de Triomphe. Ouais. L'Arc de Triomphe, Chita, dans le temps, il y a un paquet d'avenues. Eh bien, où c'est l'Arc de Triomphe là?
Et puis, on a le choix de faire changer l'Élysée, ou bien on a le choix de faire n'importe l'autre rue. Et puis, c'est comme ça la vie. Aye. Moi, j'ai choisi, je me regrette. Et bon, par la suite, il vient de me Magnum Ben, il vient de me faire de l'autre album. Voilà, tiens ça. Et oui, en parlant de Magnum, par exemple, nous avons retrouvé en 1979, et le premier album Magnum Ben qui s'expérience. Comment ou même avec Dadou Bal connecté? Bon, nous entrons dans une période côté que un pile haïtien après le découvrir la Floride. Haïtien commence à quitter le nord, Roman puis à descendre dans le sud, etc. Quoi que Dadou, après que le film quitté, fait expérience dans Tabou Combo, là, il décide à faire expérience PAL, d'après ça, il raconte moi. Et puis, il décide à la Californie pour faire une autre expérience qui est beaucoup plus avancée. C'était et plutôt une combinaison de funk. Et on funk musique soul mélangée avec folklore là. Okay. Et vous pensez que c'était cap grosse chance. Mon cher, c'était une grosse chance nèg là. Et puis nèg dérapé. Et puis on prend chance avec lui. Et puis il laisse ça pas marcher, il retourne à New York, et puis il y a essayé Dadou et à l'imposer encore New York. Finalement, il est venu Floride et puis dit mon cher, comment ça s'est passé? N'a pas retourné à la source. Et ben n'a besoin d'aide qui soit fait. Il dit, ah, je suis à la bafoué, hein? Et que pas de mouvement, là, ça, forme de, la Floride, là, t'es dry, pas de grand rien, pas de mouvement, pas de club, haïtien pas sorti, bon, surtout en été, pas de rien. Et puis, monsieur dit, bon, nous commençons le mouvement. Il dit, ah bon, parce que il y a un temps, parce que c'est une côté que, bon, sous fin de travail, ou bien, on entre, pas de rien pour faire. Et puis, nous chita, et puis, nous battons plein. Et puis, comme ça, que Tico avec Dadou, Timbo, on prend chance. Ouais. Et monsieur dit comme ça, que est-ce qu'il a écrit toujours? Il dit, ah, je pense ça. Ou bien, il a inspiré toujours. Et puis, c'est comme ça que Nego dit, bon, mais musique, mais ça me fait, on a transféré de funk à compas direct. Il dit, bon, ok, on a juste chance. Mais nous, pas, sans que nous pas même, bon, nous pas sûr que réellement, et la cheminée pour mener nous à un mouvement et purement commercial. Parce qu'on ne peut pas faire musique comme ça, ou forme, on reprend ça, il faut manger. C'est sûr. Donc, qui fait, et les gens disent, bon, on a réussi quand même. Et puis, c'est comme ça que nous prenons chance. Et puis, c'est comme ça. Que... mon cher, jusqu'à premier album, non, mon cher, qui tournait un succès extraordinaire. On a dit qu'il tournait même un landmark. Ouais, surtout premier album, surtout premier album. Premier album, non, expérience comme on a, la foi. Ouais. Ah non, ça c'est jusqu'à présent. Même ça c'est pas non, pas rien pareil. C'est ça. Alors c'est bien malheureux que et bon, il n'est pas cheminé pour les générer plus et succès et à niveau et finance au bon économique. Ouais. On prend alors peut-être bon, pas qu'on est. Bon, c'est pas à moi de juger. Comment ça ça nous connaît. Ça c'est marché noir, hein? Qui peut être manqué structure et ça et faute de pouvoir d'achat. Bon, paquet en pile facteur. Mais combien d'albums en tout qu'on chantait avec en Magnum Ben? Un seul album même fait. Expérience seulement. Expérience seulement, yes. Oh, ok. Donc, c'était album ça, et c'est un superbe album, La Foi. La Foi, qui est-ce qui écrit musique ça? Actuellement, mais bon, toi qui as nos paroles, c'est moi qui écris dans les lyriques. Okay. Et musique, bon, il y a des paroles en anglais, qui est très rapproché de. Et translation que me faire, ou pensant en tout, mais moi j'étais assez près de ça que me devait exprimer. Mais puisque nous avons parlé de la foi, nous avons parlé de l'expérience, moi même toujours spiritualisé tout ça que m'écrit, okay. Ou pensant en tout, et parce que je suis sorti dans un background spirituel, ou pensant en tout, et parce que
à l'âge de 20 ans. Et initialement, papa qui était templier. Monsieur était bouddhiste, mais était templier. Ouais. Alors, étant chinois, monsieur rentre en Haïti bouddhiste. Mais monsieur baptisé tête des catholiques. Bon, son monde qui a exploré tout le bagage spirituel, ça y est. Mais qui était très versé sur les études ésotériques, vous comprenez? Et puis, monsieur, comme si on allait voir l'initiation dans la maçonnerie, etc. J'ai oublié ça. Je me dis, ah, ça me connaît dans ce petit bout de moi. Et puis, mon beau-frère, là, Estol Baptiste, qui était grand maître, grand loge d'Haïti, dit, oh, ah non, monsieur, autre vacabon, on a l'initié, monsieur. Pour nous corriger, monsieur, il faut sortir un garçon sérieux. Et mon cher, c'est à partir de ce geste-là. Et puis, décision ça, et puis, il me dit, ah, je me connais rien d'ailleurs. Et puis, mon cher, moi, je viens intéresser, me faire des recherches, m'acheter des livres, etc. Et puis, mais depuis là, ça, quelque chose, ça, que, là, au moins, et bon, je suis toujours un ambassadeur. Et puis, je remarque que tout ça m'a écrit, mais je suis toujours un caractère moral là-dedans. Ok. Soit après, je retourne là, ou après, un caractère moral là-dedans. Je ne suis pas capable de faire de vieilles femmes, de femmes pour le quinte, de bagaille. Ouais. Donc, c'est ça fait que soit checker l'album, ou après majorité qui que ça mettait, ou après que il y a un petit caractère dans le spirituel et moral. Spirituel, c'est ça. Mais après, ça fait un cas pour faire un gros absent sur scène musicale là. Qui ça qui explique ça? Mon cher, nous sommes un monde qui toujours. Malgré que talent et cheminé la caille, moi, m'a inspiré. Bon, la peinture, pas un problème là-dedans parce que moi-même, studio toujours la caille. Studio toujours la caille, moi. Son métier, au grand travail, 24 sur 24, pas un problème. Et on me connecte avec tout art publisher, belle galerie. Et Sanik vient contacter, vient ouvrir moi. Malakayo, le fond chaud, et les, mais puis bon, très facile. Et je crois que c'est ça qui est bien là. Heureusement, je suis adopté, on comprend ça tout, parce que, basically, c'est pas ça que je choisi, non. Je voulais plutôt faire une carrière d'ado dans le graphic business. Je suis un degré dans. Et graphic et commercial graphics. Vous comprenez? Ok. Et nous sommes graphic designer, basically. Nous travaillons pour plusieurs art departments, comme Macy's, Time Life Magazine, etc. Et grand pile page, je qu'on a été paraître surtout dans le magazine. C'est moi qui suis designer, etc. Okay. Et puis, bon, moi, industrie, chef de high technology. Et puis, je suis débarrassé de tout ça que tu as fait manuel. Et puis, mon cher. Ben, et musique là, moi, et conditionné tête, moi, pour mon kimbeli, malgré tout, ben, avec condition ça. Et j'ai toujours une supervision, madame, moi, tout, qui dit, regardez, ma veille au deux près, oui. Vous comprenez? Parce que, ben, tu sais, ça va gagner là, j'ai là, Denis, l'on sorti là, depuis jeudi soir, après dimanche soir, après dimanche matin. Regardez, il faut porter l'argent, oui, vous comprenez? Parce qu'on parle là pour aider, ça, etc. Donc, le map suivre ça qui a passé dans le milieu à tout. Vous comprenez? Et rêve, moi, ce n'est pas rêve rivé niveau ça que tu as fait là, et dans le milieu haïtien. Et mal en pile concert, mal en Michael Jackson, believe me. Et dernier concert que je fais maintenant, dans Madison Square Garden, I was there. Mal Lionel Richie, mal Earth, Wind and Fire. Mal époque là où il était un funk de là, mal club yo, mal disco, etc. Et mal de Mick Jagger, open et Wham. Sorry, et Wham. Wham c'était avec Michael et voilà, je mourir. George Michael. Open mal les capes de Wham, c'est comme ça. Tellement c'était rêve, je dis, mais c'est Nexa yo que je voulais, c'est Nexa yo. Mais là, je tourne la caméra, je réfléchis, je dis, mais côté, je vais le passer pour mal, monsieur Sayo. Et puis, il me dit, bon, t'aimes, t'aimes, va les rêves là. Okay. Et puis, mon cher, je décide, je dis, t'aimes, plutôt, je vais te la caméra, je
m'a fait ti keyboard moi ti guitare moi sou moun rele moi m'a fait deux cours avec lui ba et comme ça mais ça pas jamais arrivé chaque fois m'essayer font ti groupe même de New York Miami c'est font ti bagaille on chabaille pas jamais marcher toujours gain problème personnel problème de personnalité toujours bon clash toujours bon problème l'argent jazz pas facile di jalousie ba ça yo et puis pas de moi dit m'dou pas gain chance dans bagaille ça OK ouais. Retenez son faire mon cher heureusement de kembe et la peinture. Et puis mon cher moi je vois une satisfaction là-dedans. Là il a fait des gros bagaille l'autre côté reprendre moi et puis n'ai invité moi même pas capable de la musique mais me participer dans l'autre manière. Vous comprenez moi? Justement, nous pour aller entrer deep hein, qu'on est la carrière auto et c'est la peinture. Comment qu'a décrit peinture fond cabio parce que nous connaissons gain des monde qui fait et abstract et bah connaissez comme ça c'est ça des abstract oui, voilà parfois on regarde en peinture et puis les grandes définitions mais ou pas qu'à faut chercher définition d'elle et puis bon gain monde tout qui fait la nature gain monde c'est humain yo peint gain bon I mean il y a différents types de peintres, ou même là, à travers de peintures, par qui comment définir eux-mêmes. Bon, et l'un sorti en Haïti, ou subit une influence. Vous connaissez que le centre d'art, c'était un blanc qui est rentré, et puis il m'a dit président Lesco pour ballon côté pour monsieur évoluer, il vient découvrir que il y a une mine d'or en Haïti, la peinture supposée. Fleury en Haïti. Sur l'île fait centre d'art, et c'est Dewitt Peters et Owen Peters, et puis mon cher, Bayo Fleury. Tandis que, c'est touriste là qui t'a supporté. T'es gain la littérature là, tout, qui t'est venu rentrer là-dedans, qui vient supporter, donc qui vient balayer un lot cachet. Donc, ils font mariage, mais on connaît en Haïti, tout est politisé. Ouais. On est à... Monsieur qui vient d'entrer dans le bayou, tu es là, tu es un petit gens politisé, donc gouvernement abrégé. Est-ce que monsieur, ça n'a pas qu'être bon communiste? Et puis, on est à... monsieur qui a gagné, et puis il vient perdre force là. Néanmoins, monsieur, on a quitté Haïti, on a jeté au bagaille comme ça, toute période ça, et puis. Au moins, on a jeté, non? Et grand pile peintre qui kembe. Donc, par exemple, si on a pris exemple Bernard Wa, et qui est chanceux, que Jean-Côte Duvalet était dans son bout, monsieur allait atterrir en France. Monsieur vient dire un bagay qui influençait moi, monsieur rentré avec un autre style. Ça, ouais, que monsieur vient au dernier moment, c'est pas sale de avant. Et puis, il dit, oh, avant monsieur changer, monsieur dit, mon cher, ça va m'a faire. Il n'est pas acceptable encore, non? Et en Europe. Il dit, ah, parce que si vous arrivez à Paris, la Paris, c'est la ville de la culture, pas vrai? Ouais. Si vous n'avez pas imposé, vous comprenez, dit, mais ça a mieux. Si vous n'avez pas compris, mais ça a mieux. Bagaille neuf. Open. Et puis il me dit ah bagaille m'était changé puis moi génération là presque ta petite ti madame ti maï ti bagaille ti c'est oh ti tonton a pipe bagaille comme ça ti bagaille influence ça a toujours été parce que haïtien a mandé le toujours là nous tout rentré ici toujours produit bagaille ça yo mais par la suite il me dit faut me changer me pas arrêter à faire même bagaille là et puis me connia moi vienne commencer à fréquenter milieu noir américain okay. Et puis connia y a wow côté nèg ça a sorti et puis c'est comme ça que me vienne quitter New York moi mouvement là Atlanta c'est ça que vienne réaliser puis vienne découvrir une autre société est composée de middle class American et African American middle class les classes moyennes américaines voilà qui gagne comme qui éduqué bon qui voulait accepter me qu'adopter moi et puis on y a bon on fait me gagner puis c'est comme ça me vienne commencer à adopter là now pour le tap de moi faire des styles,
Le style là sorti et n'a pas gardé naïf la primée en Haïti. Vous comprenez? Et vous regardez pas une définition, pas une déformation, une couleur plate, vous comprenez ça. Donc, pour nous venir, par exemple, si la route finit un petit bac, son conversation qui est très longue, mais je ne vais pas le faire écoute pour. Et il commence avec les classiques là, ok? Et nous allons référer nous un peu à Michael Angelo et Leonardo da Vinci, tout le monde, monsieur Sayo. Puis, il chemine, il descend, il vient subir une transformation avec bon, toute équipe, monsieur, et 20e siècle. Et de bon, jusqu'à Picasso même, c'est pas parlé, monsieur déformé tout le bagaille. Et puis, chaque coup, on a des fonds de formation, il balie ou non. Et puis, non, ça a arrêté, et puis, qu'on n'a pas adopté, on n'a pas adopté. Par exemple, il sort un classique là, il sort un réaliste là, et puis, il a descendu. Moi-même, ça que je fais, je commence à faire recherche en Égypte, là, égyptienne, et Yunnan style qui sorti en Chine, et puis, je commence à explorer même les Aztèques et les Mayens, qui j'ai monsieur et puis, ma PC combiné toute idée ça, yo. Si par exemple moi fais un monde, me font dame qui chita son chaise, mais dans dame là me fait fleur rentrer dans dame. Me fait chaise là rentrer dans dame. Me ça ça est une interpénétration de sujet d'objet tout bagaille ça. Qu'on y a vinn ba ou ça relé yon expressionniste moderne. C'est gomon qui t'ai écrit sur moi, c'est comme ça le relé, il dit expressionniste moderne, mais il gagne un aspect abstrait là-dedans. So moi même j'ai arrêté dans catégorie ça. Okay. Et moi je en pile et monsieur de séjourné qui était influencé dans ben moi joindre et toute équipe ça Carole Théa tout monsieur ça yo dans période ça yo tout bien par exemple Doudal même vienne tomber dans abstrait net. On Philippe Doudal tomber dans abstrait net. Donc après nous tous sortis dans même école ça yo et puis nous subi même influence mais nous choisi influence pas non. Okay. Mais pas de limite. Parce que si vous regardez ça qu'on y a par exemple en Amérique, si vous allez dans n'importe show qu'on y a, là paraît au grand ouais nèg la font un petit point et puis il mettait son canvas en ville ballon non. On vous dit monsieur ça y est là. Monsieur dit comme ça que il est my foot open. On vous dit, mais son petit point qu'on mettait sur un canvas qui n'a pas de couleur. Donc, qui fait, c'est pour moi que les limites sont son expression de intérieur là qu'on mettait. C'est ça. Et comme musique, même dans la musique, tout, on a fait un paquet de bagailles que, oui. Qui sorti dans le commercial là. Et même dans le jazz, tout, bon, l'autre est jazz, yo, et puis l'autre temps des messieurs, et puis il dit, wow, ça, monsieur, fait là. Ouais. Mais c'est qui ça? C'est Amnil pour le mettre là dedans. Et c'est ça que et toute expression supposée puis ouais parce que ça aurait les âmes et intérieur là c'est lui-même qui vrai âme non oui qu'on y a pour le connecter avec âme universelle là qu'on y a qui va le bas ou pour couleur qu'on va chercher c'est ça et combien fois par année vous faites des expositions bon et bon Covid là même campé tout bagarre net pendant 2 ans presque 3 ans même bagayo ap reprendre yo parce que et dernier show que m'allé là c'est de Jean-Michel Basquiat qui fait un show dans village là. Okay. Et dernier show que monsieur fait parce que Jean-Michel Basquiat comme noir, c'est premier fois noir explosé en Europe comme ça et avant Covid là, monsieur explosé à Paris, monsieur fait 69 millions de dollars. Wow. Monsieur vient rentrer New York m'allé, m'camper son ligne, son bloc. Pour aller monsieur dans peut-être dans zone 20 et village là dans 23e sud là. Mhm. On camper sous ligne net pour m'entrer malheureux chose ça. Oh. Et on pas sous familiariser à Jean-Michel Basquiat. Monsieur c'est petit et au haïtien t'es fait avec un portoricain quoi. Mm-hmm. Et puis monsieur évolué dans les périodes 80 avec un blanc et puis blanc ça et Andy Warhol qui me dit que censé d'ado dans milieu ça. C'était milieu époque, tu gagné un club et, quoi, 54, club 54, 57. Et puis, tout acteur, toute célébrité a venu. Alors, de bon milieu, ça, bon, ou bon net. Ouais, et puis, bon, il a lancé, monsieur, je viens fameux.
mon cher, l'aime se tourner, retourner New York, sauter en Europe, monsieur vend pour 57 millions de dollars. Wow. On y a, monsieur, il a ramassé tout ça, monsieur, même bagaille, monsieur, dès qu'on a écrit l'école pendant monsieur était dans high school, l'aime monsieur Chita l'a fait dessin sur cahier, par exemple, il a cherché tout petit dessin ça, yo, pour yo, encadrer, yo, pour y a, pour y a, pour y a le market et bagaille ça. Donc c'est pour montrer que n'a retourné encore avec inspiration. Inspiration pour rester seulement dans commercialisation. C'est ça. Il y a personnel et puis il prend. Comprenez? Parce que et... maintenant de Robert Aflac et pour alors bah oui et qui malheureusement pour diable malheureusement balade Kounia il dit pas fin bon et qui paraît avec deux chansons et puis il dit cash, l'elle paraît à deux musiciens et puis il dit qu'on va la bagaille ça va vendre. Wow. Et puis mon cher, c'est deux musiques qui fait succès et ouais. Mondialement. Ou qu'on y a ce mot parole là. Ouais. Robert Aflac. Ouais. 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 Yeah. Le plus souvent, ça a toujours arrivé. Et le choix, je toujours dit comme ça, le choix et même la critique, même, c'est son travail qui est personnel que lui. Oui. Des fois, l'on ouais. Pense. Et ça arrivait. En plus, le monde, ça fait faut qu'on en tête tout, faut qu'on soit cherché. C'est pas tout ça au monde dit pour qu'on la donne. Parce qu'en pile des fois, il y a des artistes qui peut-être qu'on a les des gros shows, ils n'ont pas passé, qu'ils font des gros auditions, ils n'ont pas prendre. Et puis c'est des artistes qui pourraient éclater demain. Ah oui. Donc oui. Ça a toujours fait. Moi, pour ce de Ralph Condé Show, m'a parlé avec Essoud Founkap, un artiste, un musicien. Artiste peint tout et but Founkap si on gon paquet auditeur là qui en bas là va cap garder mais si on monde ta besoin acheter une peinture yo et qui côté yo ka jeune yo mon cher moi gagne www.founkaparts arts.com que ou ka toujours aller checker. Et puis, okay. Vous avez toutes les informations, vous avez email adresse, Facebook, et puis vous avez le téléphone moi là-dedans tout. Open? Ok. Sans que je vais entrer dans trop de détails, et puis website là, à bord, tout le bagage. Ok. Open? Nous ne sommes pas les deux, nous ne sommes pas les deux stylos, mais avant nous finir, Founkap, où pour le fond tableau, par exemple? Là, on fait un tableau ou une inspiration qui vient en tête. Qui premier bagaille que vous définissez? Qui ça qui bon inspiration? Là, on va le dessiner. Est-ce que ça qu'on arrive pour faire un tableau et pourquoi on va le faire? Et puis juste. Bon, oui, même bien fait des jours, mettez canvas là devant moi. Okay. Beaucoup chaque matin me lever, me garder, me dire pour cette corde. Bah là, dans la tête, dit. Ouais. Ça, je dis assez, ça me va le faire. Depuis une semaine, je dirais que ce sujet, ça me va le faire. Ce sujet, ça me va le faire. Il passait dans la tête, mon chef, je suis capable d'inspirer. Donc, et si nous préférons nous bac et à la musique, je pense que nous-mêmes, et vous faites des semaines, vous réfléchir sur une création, on ne peut pas qu'à joindre, pas qu'à venir. Est-ce que ça m'a dit? Nadou a préféré qui a accord pour me passer, qui je pour me passer. Est-ce que je suis obligé d'utiliser accidentel yo, ou bien pour me réduire, pour le sonner bien, ou bien est-ce que le pape trop lourd? Au comportement de tout. Si je ne fais pas le plus simple, il pape plus belle, au comportement de tout, eh bien c'est même bagarre. Par exemple, je fais un tableau, et puis je dis, ah, si je ne vire le devant derrière, je vais recorriger le tableau. Ça. Vous comprenez? Donc, il fait, inspiration, son bagaille, il faut le sortir un côté. Dans l'âme. Eh bien, c'est ça qui passe. Je vais faire des jours, je vais essayer d'inspirer, je ne suis pas capable. Okay. Okay. Mais si mon monde me dit, ah, mon cher, je suis un tableau, on l'a, tel bagage, je ne t'ai aimé que vous faites un sujet comme ça pour moi, je dis, oh. Quand vous avez mis ton pression sur moi, c'est même un tableau, on t'a dit, je dis, mon cher, tu as une musique côté fait 5 ans de ça, ça t'es belle, ils sont capables de faire une musique comme ça, et puis je vais tout faire un album, je dis, ah, c'est même un bagage là. Oui, vous comprenez? Yeah. Donc c'est ça. Et au niveau de chanter, est-ce que Founkap toujours chanter ou bien vous travaillez sur un projet qui peut sortir, qui ça que
ou gen comme de nouveau dans Jakoto? Mon cher, et chaque jour m'a et m'a rêvé comme ta reproduit un bagay et venir avec un projet bon pas quoi que mais et bagay hôtel m'a changé vite. Le m'a regardé ça qu'a fait kounyen le m'a regardé vidéo mon cher et petit comment bon bon kounyen mais nous arriver dans niveau que côté que c'est mesdames qui a take over business là kounyen là mesdames yo bana achef le m'a regardé dit oh bon kounyen pas gain place moi même le m'a regardé Beijing m'a regardé Felicia Ross ni moi beaucoup dia bon non seulement pas gain physique probablement inspiration ça pas gain du tout alors non seulement que yo gain talent yo gain vocal là yo gain physique là comprenez yo gain beauté là yo gain tout package là dit que je vais faire face avec mouvement ça qu'a développé et c'est pas seulement ici non c'est à travers le monde soit chez oui génération change génération bien que yo toujours dit musicien pas jamais grand monde ou toujours fait oui, musique oui. Whatever pour quelle que soit génération. Il y a un projet dans tout le temps son seul bagage que je regrette c'est que I'm not technologically I'm not au sa vie. Et bon quoi que comme manage mon laptop mon computer moi ouais. I do the basic things you know ouais. On social ouais. Media etc. Même dans toujours rêvé que moi même m'acheter par exemple un jeu de Dado bon, quoi que déjà depuis des années, je m'achète du recording. Et au moins, pour essayer, mettre vocal là, mettre. Bon, je gratte du guitare, je joue du keyboard. Bagay comme ça. Pour moi, si je compile, je me dis, mais je ne peux pas keep up avec le temps. Et puis, je ne suis pas assez knowledgeable. Tout le temps, je dis, ah, mon cher, achetez-le. Je dis, mais pour moi, je suis en train d'acheter un paquet de bagages. Je me garde moins deux ans plus tard, et je ne vais pas la mode encore. Vous comprenez ça? Et il faut que je suis en train de lire un paquet de livres. Donc mes plus gros problèmes moi mais si me déjeune pas et bon, par exemple me parler avec monsieur qui par exemple ben bon de monde comme la Caillo nous parler tout le temps invité mettre quoi par exemple et Gary Lozama c'est sweetheart ouais au point que nous parler nous là on a parlé comme ça Robert Charlot etc pourquoi nous parler monsieur pas courage moi font cap c'est pour faire c'est pour la vie OK n'a pas courage mais qu'on y a qui j'aime pas faire qui j'aime pas faire toute étude ça. Mais problème, moi. Si par exemple dans Haïti, mon cher, je même besoin de faire des fois, il y a tellement de musiciens dans le quartier seulement. Comme d'abord, on est traversé sur le côté là, mal fait musique. Mais aux États-Unis, ce n'est pas possible. Différent. Tout. Oui. Voilà, et bien, c'est comme ça que nous avons été fin avec l'interview. Avec... Non, monsieur, ça me suppose que après un pile de sous le fond cap, on les jeunes qui l'a toujours. Les gens vivants que nous avons gardé, qu'on a tendu, qu'on a tendu voix, et qui sont gros artistes peintos. Donc, monde qui a besoin procurer de peinture, et si nous avons gardé bien et tout derrière de Foun Kap là, tout cala, c'est des gros peintures là dans les. Donc, Foun Kap by website là encore côté si gen monde qui a besoin. Bon, c'est last name moi, Foun Kap. ARTS.com. Alors, Jean Noël écrit là, c'est funcap.arts.com. That's it. Très simple. One, doc. That's it. Voilà. So, Funcap, un dernier mot, on va connaître ce soit place un dernier mot avant de finir. Mon cher, et ma remercie public là qui prend et tant de temps de moi, qui est toujours supporté moi. Donc, je crois que quelque chose, Samia, mon cher, c'est tous les restos qui font là. Et je remercie la famille moi qui toujours toléré tout. Comprenez? Et je remercie ou même Raph de comme dit mon cher, vous son sweetheart, vous comprenez? Merci. Et vous son un talent extraordinaire. Et l'homme pour ça m'a tant des vidéos bah quand même quoi jouer. Yo ma bye. Pas comme ça pour me dire encore. Nous grand pour faire toujours. Non, vous son révélation. Non. Alors que m'a pas fait jalousie. Ouais. M'a pas cité nos personnes comparer faire parler etc. Mais et l'on paraît sous scène là mon cher,
ou ajouter une couleur pour ça artiste moyen de parler de couleur mon choix ajouter une extra couleur que moi le prendre moi mettre dans tableau ça mais moi mais ça bon la mettre couleur ça m'a faut qu'on est pas de problème ça c'est Rafi là oui ah ou pas moi connais ou ca pète une belle guitare tout et by the way en parlant de ça ou pas faire comment dire ça ou pas faire portrait monde. Parfait. Mon cher, moi j'ai commencé comme un portrait artiste, né un artiste de portrait, dès qu'on fait et portrait même portrait. OK. Et des vibes de ça, vous comprenez? Mon cher et Livin bon impression parce que si vous n'êtes pas satisfait les deux, ça fait sembler. Non mon cher, et néant, c'est pas non n'aime pas plate comme ça, moi néant dit pointu. Il y a un problème, il faut mal corriger lui, c'est vrai. Il va facile. Mais donc c'est fait que m'ai libéré moi et puis il me dit mon cher, blague. Au compresseur audio. Donc c'est comme bon toute chose dans la vie au commandement. Donc moi remercier vous, moi ce public là, moi remercier. Comprendre alors me respecter mon cher et travail qu'on fait. Et bon, je trouve que c'est une révélation comprendre dans milieu là. Et parce que bon quel autre podcast quel autre bagage que nèg a PC etc mais ou même ou prend chance malgré que bon t'as rien doit à occuper à faire ou parce que ou assez et knowledgeable ou bon pour ta just focus toi même moi et sous côté musique là ou prend ça ou entrer là dedans pour ça sont notre domaine entrer là ça les multitâches nous sont multitâches oh oui sont notre dimension et nous remercions parce que on pas imagine que même leur par exemple aller même en Europe parce que tout voyager mal Europe et Amérique latine etc. Et pour quand on grand haïtien dit mon chien t'attendre Raf Condé là tel bagage tel dit oh après tu vous Raf all over the world donc pour qui travaille qu'on fait au problème et mon cher où sont gentilhomme. Et on a son qui gagne manière, qui gagne de bonne qui gagne éducation de famille, comme ça tout. Parce que c'est pas une industrie que j'ai pile monde qui est bien élevé là-dedans tout. Comme dit ça, même si il y a un monde qui est fâché, vous comprenez? Bon, c'est vrai. Pas une vérité. Éducation, c'est son bagage qui suit vous en tout côté. Oui. Et quand l'homme te dit un bagage et qui vérité, même la musique dans tout. Musique langue éducation là dans tout c'est pas avec on musicien qui doit très bon et puis ou qui doit pas évoluer avec parce que pas même éducation alors oui c'est à tout par exemple me fait partie de plusieurs nado et community nado et organisation nado à tout niveau que c'était scientifique que c'était politique que c'était et communauté etc. Son jeune deux monde qui parle non et puis dit ça monsieur dit là monsieur comprend son affaire lié on prend on met qui te aller on comprend moi me fait expérience ça déjà on te pour la musique pour faire jazz son bail qui difficile par exemple ça fait me rester dans la peinture parce que moi même mon affaire galerie seulement monsieur il y a problème avec lui me dit là avec deux mettre galerie fini mais l'autre mon jazz qui 10 mode là dedans c'est pas blague ou qu'on superstar puis oh ouais ouais il est là connait et on va qu'on a qui soit parler là donc mon cher me faut compliment parce que you are a gentleman merci God bless you God your best see your family and everything thank you Fun Cap et ben c'était avec nous et sous Fun Cap qui était passé dans de Ralph Condé show pas déplacé n'a pas petit pause n'a tourner tout à l'heure.